Ils nous tirent dessus! Il faut qu'on se replie! On se met à l'abri, suivez-moi! Ils se sont enfuis, mon général. Cessez le feu. À vos ordres. Ne les laissez pas s'enfuir. Poursuivez-les. À vos ordres, mon général. Les renforts sont arrivés, mon général. Ouvrez le feu. Arrêtez! Ils sont en train de détruire la maison! Stoppez, cessez le feu! Ils vont détruire la maison. Il faut qu'on fuit. Tirez-vous. On n'a aucune chance contre des chars. Feu! Détruisez-moi cette maison! Regardez ce qu'ils ont fait à notre maison! Elle est complètement en flammes! Ils ont tout détruit! Mais où est-ce qu'on va aller? On n'a plus aucun endroit où s'enfuir! Mais c'est là-bas que t'avais enterré Teddy en plus! Ils vont regretter ça, je te le dis! Il faut se venger! C'est pas la première fois que ce général nous cherche les embrouilles! Mais attendez! Où est-ce qu'il est passé, votre collègue? Qui ça, Dream? C'est vrai ça, où est Dream? Il a dû s'enfuir, ce lâche! Mais il y avait la confusion de partout! N'importe qui se serait enfui avec des tirs de char sur la maison! Sur ça, elle a raison! Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Il tire sur la maison avec des chars, tout le monde serait parti, hein? Ouais, ben en attendant, il va falloir que vous trouviez un nouvel endroit. Comment ça, nous? Ben, ça serait bien qu'elle vienne avec nous, du coup. Elle nous a quand même aidés dans l'histoire. Je suis d'accord avec eux. Mais vous avez remarqué? Ricotte n'est pas là non plus. Ouais, ben ça nous fait une belle jambe. Elle nous a quand même aidés. On l'a pas soignée pour rien, quand même. Je suis sûr qu'elle va bien. Elle va nous retrouver après. À tous les coups, c'est ça. Vaut mieux patienter. On l'attend ici. De toute façon, tout le monde savait que c'était le point repli au cas où. Espérons-le. En attendant, on n'a plus d'endroit où aller. J'espère que ça va s'arranger tout ça. Tu l'as dit. C'est de l'excellent travail, agent Dream. Excellent, excellent. Vous avez complètement tout détruit. On a fait ce qui était nécessaire. Où sont passés les militants? Ils sont pas dans les décombres. Je crois qu'ils se sont enfuis. Vous aussi, vous avez pris la fuite, mon ami. Pourquoi? Vous vouliez que je fasse quoi, général? Vous vouliez que je reste dans la maison, avec des chars d'assaut qui tirent dessus? Vous m'aviez pas prévenu de ça. Ce n'est pas la question. Où est-ce qu'ils sont passés? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Je les ai vus s'enfuir, c'est tout. Dans ce cas-là, retrouvez-les. C'est un ordre ou une demande? C'est un ordre, agent Dream. Retrouvez-les et mettez fin à leur milice. Très bien, mon général. Je vais les rechercher. Je vous tiens au courant. Il faut qu'on se replie! Très bien! Et où est-ce que tu veux qu'on aille? Ils ne sont que trois! On pourrait se défaire! On se replie, rentrez dans l'hôtel! On n'a aucune chance contre eux! Il y a quelqu'un qui s'approche! Tire pas, Alex! Ce n'est que moi! Ricotte? Oui, j'ai réussi à les semer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allé vérifier un truc. Et on peut savoir ce que t'es allé vérifier? Je suis allé vérifier sur le pont. Il y avait des personnes qui tiraient sur les soldats. C'est grâce à eux qu'on a réussi à s'enfuir. Quoi, comment ça? Qui est-ce qui a tiré? C'est ce que j'ai essayé de savoir. Mais ils étaient poursuivis par trois autres soldats. Et ils se sont enfuis. Des soldats qui seraient dans votre camp? Ça pourrait être qui à votre avis? J'en ai aucune idée. Quelqu'un sait? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais s'il y a quelqu'un dans notre camp, faut qu'on sache qui c'est. Vous vous fatiguez pour rien. Je sais déjà qui c'est. Vas-y, dis-nous alors, puisque tu sais tout. Il y a un espion dans notre groupe. Et Dream n'est plus là. Vous trouvez pas ça bizarre? C'est vrai que c'est étrange. Tu penses que Dream est un espion? C'est la question que je me suis amené à me poser. Si ça se trouve, c'est lui qui a fait le tour et qui leur tirait dessus par derrière. Peut-être qu'il joue double jeu. Mais comment c'est possible? Mais attends, comment il aurait pu faire le tour? Il a pas eu le temps. Y'a les chars qui nous tiraient dessus. Je comprends pas là. Ça a pas de sens ce que tu dis. Si Dream a réussi à faire le tour, il y avait peut-être un passage secret. C'est vrai que la silhouette lui ressemblait.
Si ça se trouve, c'était bien lui. Je pense que Kiara a raison. Sachez une chose. J'ai toujours raison. Bon, et qu'est-ce que tu proposes alors? On va pas camper ici quand même? On va se faire dégommer? C'est vrai ça. On a nulle part où aller. J'ai peut-être une idée. Ben vas-y, on t'écoute. Il y a un endroit pas loin. Mais... on va pouvoir s'abriter. Mais en revanche, il va falloir user d'huile de coude. Tu peux être plus précise? Il va falloir qu'on construise notre propre base. Non mais attends, on en a pour des mois. Mais où ça? Comment ça construire notre base? Je comprends pas ton idée. Et on n'a pas de matériel. Pour construire une base, il nous faut pas grand chose. Des planches et du matériel. On peut en trouver. On a des haches de ce que j'ai compris. On a toujours celle de Teddy, n'est-ce pas? Il est hors de question que j'utilise la hache de mon homme. Vous avez rêvé. Après ça dépend si tu veux qu'on survive ou pas. Mais il va falloir encore trouver d'autres matériaux. Et tu penses qu'on est capable de construire notre propre terrain? Moi, franchement, je pense que c'est possible. Si on s'y met tous. C'est vrai qu'on n'a aucun moyen de s'enfuir. Le seul moyen, ce serait de nous mettre dans un souterrain. Genre un bunker. Et vous croyez qu'on va réussir à construire ça? Rien que nous. Il y a des gens qui ont construit des cathédrales. Et ils étaient 10. Alors oui, je pense que c'est faisable. Bah écoute, si on n'a pas le choix... Et où est-ce qu'on doit aller au juste? Il va falloir me suivre. Je vous déconseille de vous balader la journée. On va se faire repérer par l'armée. Bien, ok. Montre-nous alors. Allons-y. Je tiens à vous féliciter, mes chers soldats. Vous avez été vraiment efficaces. Très bon travail. On s'est débarrassé de cette maison et de cette milice. Je vous remercie, mon général. On a appliqué à la lettre vos ordres. Merci, mon général. Merci, mon général. Quelle est la prochaine mission, du coup? C'est vrai ça, quelle est la prochaine mission? Il y a des soldats qui nous ont tiré dessus. J'aimerais que vous les retrouviez. Il faudrait aussi retrouver les autres militants. J'ai eu beau les chercher, je les trouve nulle part. Ça c'est votre problème, agent Dream. Mais je vous ai fixé une mission. Mon général, il y a des soldats qui nous ont trahis. Apparemment ils se sont rebellés contre nous. Je suis au courant, soldat. Je vous charge de les retrouver. Ils vont passer en cour martial. Pour trahison. Et vous savez pour quelle raison ils vous ont trahi? Je n'en sais rien pour l'instant. Mais on va pas tarder à le découvrir. Mon général, on repart à leur recherche? Oui, sur le champ. Commencez par fouiller l'hôtel de l'autre côté de la ville. C'est là-bas qu'on les a vus pour la dernière fois. À vos ordres! Vous croyez vraiment qu'ils vont les retrouver? Les soldats, c'est plus ce que c'était. Mais il n'y a pas de raison. Et moi, je fais quoi en attendant? Je vous ai confié une mission, agent Dream. Retrouvez-les. Ok, j'y retourne. Il y a des militaires qui arrivent. Eh ben on va les accueillir comme il se doit. Il vaudrait peut-être mieux ne pas leur tirer dessus. On va attirer l'attention. Elle a raison. Faut qu'on se fasse discret. Si elle tue les soldats, il va en rappliquer d'autres. Ok. Eh ben on va se planquer alors. C'est la meilleure solution. Vaut mieux attendre la nuit et on sort. Ok, on fait ça. Il va falloir qu'on se trouve une bonne planque. Parce qu'ils sont dans l'hôtel. Ok. Et t'as réussi à sauver tes amis, du coup? Ouais, j'en ai bien l'impression. Mais je suis pas convaincu qu'ils aient remarqué que c'était moi. Dans tous les cas, je les ai vus s'enfuir avant que la maison explose. Bon, c'est une bonne chose. On n'a pas fait ça pour rien. En revanche, je sais pas du tout où ils sont allés. Je sais qu'on avait un point de repli à l'extérieur de la base. Mais on peut pas y aller pour le moment. Faudra qu'on y aille plus tard. Il faudrait qu'on fasse profil bas. Il y a un point à l'extérieur de la ville où on pourrait aller. Sérieusement? Bon ben, on va attendre la nuit, on va y aller alors. Voilà, c'est ici. Waouh! Il y a de quoi faire. C'est super grand. C'est vrai qu'on est bien abrité là. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Bah, il y a de quoi faire. On coupe des arbres, on creuse des trous, on a tout le matériel qu'il faut. On a une pelle, on a une hache. C'est vrai, si on s'y met tous ensemble, on peut construire un bon campement. À ce compte-là, on se met au boulot. Et je veux voir personne rien faire. Sinon, je m'énerve. Allons-y alors. Ils s'en vont. On a bien fait d'attendre. Comme je vous l'avais dit, ils se sont enfuis. On va pouvoir y aller. Très bonne chose. Parfait. Bon, c'est où que tu voulais aller exactement? Il y a un petit camping à l'extérieur de la ville.
Ça serait une bonne chose qu'on aille là-bas. C'est assez excentré. Je pense pas que le général pensera à fouiller là-bas. Dans ce cas-là, on te suit. Allons-y. T'es sûr qu'il y a personne ? En théorie. Vaut mieux qu'on aille vérifier. On sait jamais. Dans le doute, j'ai pas trop confiance. Je préfère qu'on aille voir. Je rentre en premier. Non mais je rêve. Lévi, il a l'air gravement blessé. Tu le connais ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? J'en sais rien du tout. Mais si l'un d'entre vous sait le soigner, qu'il fasse. Je vais regarder ce que je peux faire. Rapport de mission. Nous avons patrouillé au niveau de l'hôtel, mon général. Nous avons rien trouvé. Ils étaient pas là-bas. On a fouillé toutes les pièces, y avait rien du tout. Je pense qu'ils ont dû s'enfuir. Ok. Il va falloir fouiller le reste de la ville. Il faut absolument qu'on retrouve ces traîtres. Bon sang, pourquoi est-ce qu'il m'a convoqué encore celui-là ? Je suis là, mon général. Parfait, agent Dream. Alors ça en est où, votre recherche ? Je n'ai absolument rien trouvé. J'ai fait le tour de la ville, rien du tout. Je pense qu'ils doivent être en train de se cacher. Se cacher ? Certainement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas dans les alentours. La ville est grande, agent Dream. Je compte sur vous pour faire le tour et les retrouver. Il en va de la mission. J'en suis parfaitement conscient. Je vais faire ce qu'il faut. Si vous ne faites pas le nécessaire, agent Dream, je serai contraint de vous remplacer. Me remplacer ? Et qui me remplacerait ? Vous savez très bien à qui je fais allusion, agent Dream. Ne faites pas le malin avec moi. À vos ordres, mon général. Je vais repartir en mission. Alors ? J'en ai où, ça avance ? Ouais, écoute, je me mets au boulot. Franchement, le camp, il avance tranquillement. C'est parfait, ça. Excellent travail. D'ailleurs, je tenais à te féliciter pour les vêtements. Ah, y a pas de quoi. Vous êtes content, alors ? Tu rigoles ou quoi ? Grâce à toi, on a refait entièrement notre garde-robe. Ça fait du bien de changer de look un peu. J'avoue, j'essaie de me rendre utile. Eh ben, tu fais ça très bien. Continue de bosser. Et merci encore. Ok, chef, je me remets au travail. Aiden, ça va ? Oui et non. Liam s'est blessé. Et ça a l'air sévère. Comment est-ce qu'il a fait ça ? J'étais en train de faire des travaux sur le toit et j'ai glissé. Je crois que je me suis cassé le bras. Ah, mais faut faire attention, les gars. Vous savez, on n'est pas nombreux. C'est dangereux, hein ? Ouais, quand je pense que c'est Jake qui prend le relais là-haut. Ouais, je prends le relais. Je suis à fond de cale, là. Il dit ça en rigolant ou... Bah, s'il dit qu'il travaille, c'est qu'il travaille. Ouais, je vais quand même aller vérifier ça. Ok. Bon, je t'ai pas dit Jake qui est monté, hein. Qu'est-ce que tu vas, Gwyn, toi ? Non, rien. Tu peux me soigner, là ? Parce que c'est bien sympa, mais j'ai mal, moi. Bon, je vais voir ce qu'il fait l'autre, là-haut. Non, mais j'hallucine ou quoi ? Non, mais désolé, Kiara. J'étais en train de me reposer. Te reposer ? Moi, je pense que t'étais plutôt en train de bronzer, ouais. Non, Kiara, s'il te plaît, me coupe pas en morceaux. Je vais me remettre au travail, promis. Plus jamais je me reposerai. J'espère que tu dis la vérité. Parce que sinon, je reviens. Je me demande où est passé Dream. J'espère que c'est vrai, en fait. Qu'il nous a pas trahis. Parce que ça me décevrait de sa part. Elle est presque terminée, cette barricade. L'air de rien, on avance bien. Ça va, tu te reposes bien, grand-mère. Écoute, Kiara, je suis épuisée. On n'arrête pas jour et nuit. Je comprends bien, mais il faut que tu nous aides. Il risque de venir à tout moment. Bon, ok, je vais me remettre au travail. Je te remercie, grand-mère. Je me demande ce qu'elle aurait dit si j'étais pas de sa famille. Ça va pas, grand-mère ? Non ! Je sais pas ce que j'ai mangé. Peut-être le cassoulet d'hier soir. Bon, je pense qu'on va te laisser tranquille. Ça a l'air de faire mal. Ça me fait tellement de peine qu'il t'arrive ça. Bon, je vais aller voir ce que font les autres. Bon courage. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez rien d'autre à faire ? Remettez-vous au travail ! C'est pas vrai, ça. Yam ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Au rapport. Il se passe des trucs dans les alentours ? Non, pas un chat. Bon, c'est pas plus mal. Vivement qu'on finisse la barricade. Ouais, t'inquiète pas. On mettra des miradors dans les alentours. Bon, très bien. Préviens-moi si tu vois le moindre truc, hein. Ok, Kiara. Pas de soucis. Bon, allez, courage. Kiara, tu t'en sors avec les grillages ? Ouais, c'est pas évident.
Bon, avec le peu de matériel qu'on a, j'arrive à me débrouiller. Ça devrait tenir normalement. Bon, parfait. Ça serait bien qu'on puisse en faire des portes aussi. Tu crois que c'est faisable? Franchement, je te garantis rien. Mais je peux essayer. Très bon travail. Tu t'en sors, Alex? Ouais, ça avance. J'ai fait pas mal de petits feux. Ça devrait nous permettre de nous réchauffer. Il commence à cailler le soir. Il serait temps peut-être de creuser le souterrain. Le souterrain? Oui, j'en avais pas parlé jusqu'à maintenant. Mais ça serait bien de creuser un souterrain. Et tu voudrais le faire où? Juste ici. Tu veux qu'on creuse là? Ça pourrait être pas mal. Allez, vous attendez quoi? Au boulot. Je tenais à tous vous féliciter. Vous avez vraiment fait du bon travail. C'est vrai? Merci Chiara, ça fait vraiment plaisir. On a fait ce qu'on a pu. Tu nous as beaucoup aidé aussi. Tu as été un bon chef de chantier. Plus que ça même. Même s'il n'y a plus Teddy, franchement c'était terrible. Et on a un peu galéré pour l'intérieur. J'espère que ça va te plaire. Ouais, on était que deux après tout. Bon, on a fait notre maximum. Hein. On a ramené tout ce qu'on a trouvé. L'air de rien, je les ai aidés un peu. Parce que niveau déco... C'est pas très grave. Mais en tout cas, bon travail. Vous avez fini tout le secteur de la base. La porte est désormais fonctionnelle, donc vous allez pouvoir rentrer et sortir. Ça serait bien qu'on trouve des véhicules. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas qui c'est qui m'a mis cette épave en plein milieu. Mais ça fait un peu dégueulasse. Et il y a un truc qui ressemble à une écurie. Je sais pas pourquoi vous avez construit ça, mais bon. C'est des baraquements. Ça peut servir pour plus tard. Et pour la voiture, moi, je trouve ça vintage. C'est stylé. J'avoue, ça serait dommage de l'enlever. Bon, on va laisser votre voiture dégueulasse en plein milieu. Mais franchement, après, il vaudra peut-être la virer. Oh, ça va. C'est qu'une voiture. Et pour ce qui concerne les autres maisons, on pourrait en faire des cabanes, mettre des lits, etc. C'est une idée. On va voir ça sur la durée. En tout cas, c'est super cool ce qu'on a fait. Bon, on y va? On peut te montrer le sous-sol? Ça serait bien. On a quand même beaucoup bossé. Bon, ok, ça va, je vous suis. Donc là, je te cache pas qu'on s'est un peu aidé avec Ricotte. Mais on a fait une jardin infirmerie. Bon, je sais c'est délabré, mais c'est déjà pas mal. Honnêtement, je trouve ça très classe. Je te remercie. Je vais te montrer la pièce que j'ai aménagée. Ici, c'est le bunker. C'est là qu'on entrepose la bouffe et toutes sortes de choses. Et on peut même faire la cuisine. Il y a tout ce qu'il faut. C'est incroyable. Je tiens à vous féliciter de l'excellent travail. Et après, vous voulez faire des maisons? Mais ça sert à quoi? Ben, pour respirer un peu d'air. On est quand même dans un sous-sol. Ouais, c'est pas terrible. Bon, tu veux voir la dernière pièce? Ok, allons-y. Ici, on a entreposé tous les médicaments. Enfin, toutes sortes de choses. Il y a même une chambre froide. Non, mais c'est une dinguerie ce que vous avez fait. Et vous avez fait ça que tous les deux? Ben ouais. Ben, on a récupéré pas mal de trucs. Après, avec Joy, tout ce qu'il a trouvé, c'était cool. Ça a quand même pas mal aidé, j'avoue. Vous me faites halluciner. C'est incroyable. Attends, je vais montrer ça aux autres. Mais où est-ce que je suis? C'est quoi cet endroit? J'ai été certainement capturé par un ennemi. Bon, maintenant faut que je m'échappe. Lévi? Mais ça va mieux? Où est-ce que tu vas comme ça? Dream, approche-toi et viens te battre. Sale traître.